Bonjour à tous, nous sommes dans le sixième épisode de Zelda OLB. Je vais continuer le temple d'Ordine. D'abord, faut me souvenir à peu près où j'en étais. Ouais, ok. Il me restait un truc par là-bas. En fait, j'étais pas descendu dans ces escaliers. Ah oui, zut, je suis Oni Link. Oh, un coffre. Ah bon, c'est bien. Aïe, oui. Ok, alors là on va pouvoir utiliser notre arc. Ah bah non, on va pas pouvoir. Il faut d'abord que je me désonilinkise. Ah bah ça va prendre un moment. Surtout si je meurs. Peut-être qu'à l'extérieur il y a plus de monstres. Ah effectivement. Ok, c'est presque bon. Ça y est! Alors. Donc, il fallait que j'aille là. Et puis là. Enfin, d'abord, non. D'abord, je vais allumer ces torches. Ah oui, mais celles que j'avais allumées avant, elles se sont éteintes. Bon, allez. Hop. Aha! Donc là, je peux pas faire grand-chose de plus à cet endroit. Je suis complètement perdu en fait. Parce que j'ai fait une pause de plusieurs jours entre les deux morceaux du donjon. Et je me souviens vraiment pas trop ce qu'il faut faire. Faut déjà pas faire ça. C'est ça que je veux. Ah, merde. Ah, je suis bloqué là. Suis complètement bloqué ou quoi? Bon, bah c'est génial, je suis bloqué. Allez, sauvegarde et quitter.
Bon, et puis là, il y avait quoi déjà? Oui, pas grand-chose. Donc ça doit être par là. Ah, c'est pas facile ça. Ah oui, c'est vrai. Je me souviens avoir fait ça. Excusez-moi, je bois mon café en même temps. Alors, donc là, je suis de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Enfin, je veux dire, je suis au même endroit, mais avec les planchers dans l'autre sens. Ok, donc tout ça pour revenir ici, mais avec les planchers inversés. Et donc là, je suis jamais allé là encore. Ok, donc le fait d'avoir sauvegardé a réinitialisé les planchers. C'était pas du tout une bonne idée. Enfin, le fait d'avoir quitté, surtout. Ok, ça c'est la porte que j'ai ouverte tout à l'heure. Donc c'est bon, j'arrive quand même à progresser un peu. Bah, ça me donne envie de tirer une flèche. Aïe. Cool, 20 rubis. Ça, je m'y attendais. Alors. Oh non. Je vais mourir. Un coffre. Une clé. Cool. Ensuite, je pense qu'il faut revenir par là. Alors maintenant, on va réessayer d'allumer toutes ces torches. Ah, oh, c'est chiant ça. Est-ce qu'on ressort du donjon? Je pense que de toute façon, il va falloir. Je veux bien des cœurs aussi. Ça disait quoi ça déjà? Ah oui, c'est vrai.
le vide infini. Bon, j'ai que deux cœurs, je vais sûrement mourir. Niveau 5, temple d'Ordine. Non, c'est bon, maintenant je comprends à nouveau la logique du niveau. Enfin, je crois. D'abord, il faut que j'allume ça. Ah oui, mais de toute façon, je pourrais pas allumer ces deux-là. Même si j'allume ceux-là et ceux du bas. Aïe! Oh. Sans, tant que j'ai pas le marteau, de toute manière, je peux pas allumer les deux autres. Ni accéder à ce coffre. Quoique. Enfin, il faudrait au moins inverser les interrupteurs. Et ça, je vois pas trop comment faire. Vu que là, on est bloqué. Faut arriver par la droite, en fait. Pourquoi y a pas de porte indiquée sur la carte? Juste à droite, là. N'existe pas cette porte? Aïe. Attendez, je comprends rien. Depuis quand les portes sont pas indiquées sur la carte? C'est pas possible, ça. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, c'est vrai. D'abord que je refasse tout le tour. Pour commencer. Ah, un cœur quand même. J'ai un peu de mal avec ce donjon, il est quand même compliqué. Hein. Je fais plein de fois les mêmes allers-retours. Ah, je vois pas très bien à quoi ça sert ce morceau-là en bas. Puisque de toute façon on peut passer. Ok, on est de retour à l'entrée, cette fois-ci avec les planchers bleus qui sont baissés. Donc c'est cool. Mais dans cette pièce, je pense que je suis toujours bloqué parce que je sais pas comment faire. Pour allumer toutes les torches, j'ai quand même allumé ces quatre-là. Ce sera déjà ça de fait. Après, je peux éventuellement faire ça. Mais là, je suis bloqué.
puis tout ça j'avais déjà fait, je me souviens. Donc y a rien de plus là à faire. Ça avait été fait. Ça, c'est une salle qui communique pas avec le reste de toute façon. J'ai plus rien à faire là. Je vais quand même vérifier, mais normalement j'ai. Oups. Normalement j'ai plus rien à faire. Voilà. Bon, et si on retournait par là-haut? Je me comprends, hein, vous inquiétez pas. Oups. Les planches interrupteurs sont vraiment démoniaques dans ce donjon. Là, je peux me retrouver bloqué si je veux. Il suffit que je tire une flèche là. Mais non, je vais pas le faire. Ah bah non, je suis pas bloqué, je peux en tirer une autre. On pourrait se retrouver bloqué si on est à court de flèches en fait. Ouais, je dois pas être vraiment très réveillé. Mais heureusement que j'ai bu mon café, ça va aller mieux après. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui! Je voulais aller par là. Revoir par là. Aïe. Oups. Hop. Technique speedrun. Non. Je désactive mes bottes de Pégase. Même si j'adore les bottes de Pégase. Je vous ai dit ça déjà? Ah ok, c'est par là qu'il faut arriver. Ah oui, j'ai une clé, donc je vais peut-être pouvoir y arriver, tiens. Après, ça va me mener à la... logiquement à la fameuse porte qui est pas marquée sur la carte et qui résoudrait tous mes problèmes. J'espère que j'ai pas oublié des choses. Ça marche pas mon truc, je peux pas y aller là-bas, je sais pas comment y aller. Bien sûr, par là, je peux pas. Là, si je vais à gauche, je vais me retrouver bloqué pareil. Sauf si je fais attention, peut-être. Ouais, un cœur. En fait, je voudrais juste inverser les planches interrupteurs sans sortir du donjon. Mais ici, il n'y a pas d'interrupteur de cristal. Par contre, je vais quand même prendre les vases parce que je vais être à court d'énergie magique. À force de tourner en rond et d'allumer des torches et de les réallumer plusieurs fois, ça commence à manquer. Aïe. Aïe. Ok, tant pis. Comment je fais pour inverser les interrupteurs? Je peux pas.
peux vraiment pas parce que si je vais les inverser là-haut, je me retrouve coincé. Et là en bas y a rien. Tant pis, je vais me retrouver coincé, mais c'est juste pour vérifier. Ah non, je me retrouve pas coincé. Enfin, peut-être pas. Comment j'ai fait pour me retrouver coincé en fait? Je sais plus. Ok, donc on peut peut-être faire le chemin en sens inverse. Et ouais. Et voilà. Voilà, je voulais revenir ici en fait. Ah oui, c'est là-haut qu'il faut que j'aille. Voilà, maintenant que j'ai ma... Ah bah non. Il faut que je fasse ça et que je cours. Ah, ça a pas marché. Oula, est-ce que c'est possible en fait? Ah oui, c'est possible. C'est juste, juste, juste. Oh, c'est pénible. Ok. Ah, ça y est, je viens de franchir la porte qui n'existe pas. Eh ben, il est coriace, lui, hein. Ça y est! Donc j'ai ouvert une porte, j'ai pas vu laquelle, mais logiquement c'est... Ah oui, c'est celle-là en bas. Donc il n'y a plus qu'à refaire tout le tour. Normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Ah ouais, je peux faire ça aussi. Avec peut-être la même technique. Par contre, je serai coincé si je le fais. Si jamais ça marche, je tire une flèche et que j'ai le temps d'aller ici. Je pourrais prendre le coffre, mais je serais coincé. Je vais quand même essayer, parce que de toute façon, la porte que j'ai ouverte, je suppose qu'elle reste ouverte. Et puis en plus, ça a pas l'air de marcher, mon idée. Et non, ça marche pas du tout. Il faut vraiment le marteau. Ok, alors on va refaire le tour. Une fois de plus. Ouais, je suis obligé de faire le tour par là. Oh non! Ah ouais, mais là, je peux pas passer. Thank you.
Et voilà. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je bouge pas et j'enchaîne sur le suivant. Allez, à bientôt, salut!